Tu as un moment ? J'ai besoin de ton aide. Il paraît que tu voulais me parler ? Tout à fait. Je m'appelle Duncan Obaus. Ravi de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi, ainsi que de tes démêlés avec des trolls et des dragons. C'est gentil de ta part. J'ai vécu pas mal d'aventures. J'espère que ma réputation est méritée. Je préfère penser que tu mérites ta réputation. Parce que si c'est bien le cas, tu es exactement la personne dont j'ai besoin. Tu comprends, l'autre jour, on apprenait à repousser les épouvantards avec le professeur Ekat et... le mien a pris la forme d'un... d'un boursouf. Oh, ils ont l'air inoffensifs, mais leur langue est vraiment bizarre. Exactement. J'aimerais bien que les autres élèves voient les choses de la même manière. Peu importe à quel point ma phobie des boursoufs est justifiée, ma réputation commence à sérieusement en pâtir. Certains élèves se sont même mis à m'appeler Duncan au boursouf. J'en suis désolé. Les mots peuvent blesser. Merci. Poppy n'arrête pas de me proposer de m'aider à surmonter ma phobie, mais j'ai trop peur pour accepter. Bref, comme si ça ne suffisait pas, j'ai dit que j'étais plus courageux que les gens le pensaient et que j'étais allé dans le couloir secret du cours de botanique. Le couloir secret du cours de botanique ? Oui. Selon la rumeur, le professeur de botanique qui enseignait avant le professeur Bulbille y conservait les plantes dangereuses. À ce qu'il paraît, elles ont tellement envahi le couloir que plus personne n'ose y entrer. Je me disais que tu pourrais peut-être y aller et rapporter une preuve que je pourrais utiliser pour montrer que j'y suis entré. Une plante très dangereuse, par exemple, ou quelque chose de cette nature ? Quelle sorte de plante se trouve dans le couloir secret du cours de botanique ? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais tu as vu le genre de plante que cultive le professeur Bulbille ? Si le professeur d'avant avait les mêmes centres d'intérêt, il est facile d'imaginer que ces plantes ne sont pas inoffensives. D'accord. Si j'y passe, peut-être que j'y jetterai un coup d'œil. Superbe. Je t'en saurai gré. Si tu trouves une preuve, reviens me voir. Je te devrai une fière chandelle. Le couloir secret du cours de botanique. Intriguant. Revelio. 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 Féolard est si connu qu'on y rencontre.
une étincelle et ces vignes sèches deviendront du petit bois. Incendio! Cette grotte doit être l'entrée du couloir secret du cours de botanique. Je dois franchir ce filet du diable. Il a l'air de proliférer dans l'obscurité, alors peut-être qu'il n'aime pas la lumière. Lumos! Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Rebellion. Lumos. Rebellion. Lumos. Incendio. Lumos. Je me demande si le filet du diable protégeait quelque chose. Revelio. Lumos. Incendio. Lumos. J'imagine qu'un bout de cette énorme tentacule avénéneuse suffirait à Duncan pour prouver son courage. Incendio. Lumos. Incendio. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Rebellion. Lumos.
Revelio. Quel plaisir de vous revoir. Poudlard nous a rapprochés. Quel soulagement de comprendre enfin pourquoi ce portrait était vide. Tu as trouvé quelque chose pour que je prouve mon coup. Bonjour Duncan, j'ai la preuve qu'il te fallait. C'est une feuille ! Cette tentacula vénéneuse devait être énorme ! Je n'en attendais pas tant. Je savais que j'avais bien fait de te demander. Merci de l'avoir récupérée pour moi. Pas de problème. J'espère que ça t'aidera à te faire accepter. Quand je montrerai ça à tout le monde dans la salle commune ce soir, les gens arrêteront sûrement de m'appeler Obursouf. Ça devrait prouver à Everett que ce surnom est ridicule. Merci encore, et passe une bonne journée. La mienne le sera. Merci de m'avoir aidé. On ne m'appelle plus Obursouf de sitôt. Revelio. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été inclus. Bonjour, monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ekat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon, si nous continuions... Fig, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau, et dépêchez-vous. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais, professeur... Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Revelio. «
Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Sébastien, te voilà. J'espérais te voir. J'étais aux Trois Balais après l'attaque du troll et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la première fois que je le vois. Il me prend sûrement pour quelqu'un d'autre. Si tu le dis. Je n'insiste pas pour l'instant, mais tu vas bien devoir me raconter ce qui se passe. Tu risques d'avoir besoin de moi. Alors, pourquoi tu me cherchais ? Je dois trouver quelque chose pour le professeur Fig dans la réserve de la bibliothèque. Il ne peut pas y aller lui-même ? Il a été appelé par Black au dernier moment. Je pourrais attendre de recevoir un mot de sa part, mais... Tu veux lui montrer que tu sais prendre des initiatives ? Exactement. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et n'en parle à personne. Je ne risque pas de me faire attraper par la bibliothécaire. Madame Scribe n'aime pas tellement que des activités clandestines aient lieu au milieu de ses précieux livres. Alors, évite-la à tout prix. Elle et moi, on n'est pas en très bons termes. Mais je sais m'y prendre avec elle. Ce n'est pas ton cas. Qu'est-ce qui arriverait si on était surpris dans la réserve ? On ira en retenue. Mais il y a des moyens de limiter les risques. Déjà, évite Peeves, l'esprit frappeur. La seule chose qu'il aime plus que tout détruire, c'est dénoncer les élèves comme nous. Merci, Sébastien. À tout à l'heure. Tu vois ça ? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfet n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scribe. Alors fais en sorte qu'il ne te voit pas. C'est bien compris ? Je peux me faire discret. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible ? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits, faisons un essai. Joe Barbie. Je vous vois, les préfets vous verront sûrement aussi.
La bibliothécaire est encore là. Vite, derrière l'étagère. Non. Tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. En général. Mais ça va aller. Tu vois son bureau, derrière moi ? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Tu l'occupes, je prends la clé. J'ai compris. Je t'ai dit que je t'y ferais entrer, et je tiens toujours parole. Crois-moi. Ça n'a pas été si difficile, finalement. Maintenant, je dois trouver ce livre. Ah, celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir deux fois. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Ce n'est pas un lieu sûr pour les jeunes mortels. Celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir deux fois. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Un fantôme. Ne te fais pas remarquer.
La voie est libre maintenant. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Silencieux comme la mort. Mais qu'est-ce que tu cherches alors ? Je cherche un remède pour guérir ma sœur jumelle, Anne. Réveillez-vous. Tout le monde a... Pourquoi penses-tu trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque ? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne ? Non, on a tout essayé. De Madame Blainey à Sainte-Mangouste. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement ? Je le saurai quand je le verrai. Tu fais bien des mystères. Revelio. Attrapé en pleine exploration interdite. Vous n'allez pas être ici. Vous serez punis. Leaves, n'essaie pas. Je vais le dire. Oh, maudit Peeves. Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. Attends, je veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. J'arrive toujours à m'en sortir quand il s'agit de mesures disciplinaires. Et puis, j'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Où est donc passé ce satané esprit frappeur ? Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. Réparons. Des traces de magie ancienne. Cette pièce cache quelque chose. Voilà. Bien mené.
Réparons. Revelio. Ah, je dois réveiller cette rune. Des gardes. C'est pas surprenant. Revelio. Revelio. Je dois sûrement emprunter cette porte, mais où mène-t-elle ? J'y suis presque. Il faut que je fasse attention.
Ce n'est qu'un livre. Vous vouliez me voir, directrice Fitzgerald, professeur Rackham? Miss Isidora Morganac, bienvenue. Professeur Rockwood, professeur Bakar. J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation habituelle. Eh bien, en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en cinquième année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac, hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival, professeur Rackham peut les voir aussi, mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est ? Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne ? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier ? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Sébastien ! Vous êtes encore à rôder dans la réserve, à ce que je vois. Je croyais que c'en était fini, de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Mais... Cela étant dit,
Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, Sébastien. Que va en penser votre oncle ? Sérieux ? Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood ? C'est absurde ! C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel ? C'est... Ah, Fig, vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. C'est... une minute. Vous avez accédé à la réserve ? Comment ? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Oh ! Oh non! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre pancine ? Par la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir ? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs ? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de George. Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de Monsieur Osric ? J'ignore ce que je peux en dire. George a essayé de convaincre le ministère au sujet de Ranrock. En vain. Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus.
Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement en cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas aux sortilèges. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Et d'essayer de remporter le titre. Retrouve-moi à l'endroit habituel pour la dernière manche de shoot magique. Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là. Retrouve-moi à Campolar en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. Incendio. Revelio. Peux-tu me rappeler comment fonctionnent les clés du dédale, déjà ? Lorsque tu entends ou repères une clé volante, tu dois la suivre jusqu'à son armoire.
Le plus difficile est de l'insérer dans la serrure. J'espère que t'en suivras quelques-unes. Si tu ouvres une armoire, j'aimerais bien savoir ce qu'elle contient. Bonjour, Lucan. Tout est prêt pour la dernière manche de joute magique ? On a un grand duel aujourd'hui. C'est le moment de vérité. Nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire. Tu veux essayer de remporter la victoire ? Oui, c'est parti. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire ? Oui, avec Sébastien. Alors, allons-y. Tu vas comprendre ta douleur. Voilà, il faut rester positif. Tu as fini en pâté pour croupe pendant ce duel. Tu veux réessayer ? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance. Tenter ta chance ? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance. Tenter ta chance ? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance.
Stupéfix. Tenter ta chance? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance. Tenter ta chance? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance.
retenter ta chance ? D'accord, allons-y. Parfait. Bonne chance. Tenter ta chance ? Non, je ne pense pas. Pas maintenant. Je comprends. Mais ne tarde pas trop. On t'attend. Parfait. Bonjour, Lucan. J'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement. Excellente idée. Cette fois, ce sera un peu plus compliqué. Ça ira ? C'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Action ! Incendio ! Très bon travail. Action. Incendio. Voilà, comme ça. Action. Incendio. Leviosa. Peut-être une prochaine fois. Action. Leviosa. Action. Incendio. Leviosa. Action. Incendio. Bon travail. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. Merci, Lucan. Tu m'as été d'une grande aide. Oh, arrête. Tu vas me faire rougir. Bravo, vraiment. Les mannequins y réfléchiront à deux fois avant de te provoquer en duel.
Et je suis sûr que tu feras encore mieux, ajoute Magic. Les autres duellistes n'ont qu'à bien se tenir. Bonjour, Lucan. Tout est prêt pour la dernière manche de joute magique ? Regardez qui est de retour. Tu as envie de prendre ta revanche ? Oui, c'est parti. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire ? Oui, avec Nati. Alors, allons-y. Tu vas comprendre ta douleur. Voilà, il faut rester positif. Incendio. Tenter ta chance ? Non, je ne pense pas. Pas maintenant. Je comprends. Mais ne tarde pas trop. On t'attend.
pensais que le professeur Black allait... Qu'elle fait encore pousser des oignons piquants? Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lenora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Oh, bonjour. Les enfants? Veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Action! Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. C'était chaud. Placez vos mandragores dans leur nouveau pot et tapotez le terreau. Doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparons! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, file, veux-tu? Très beau travail, tout le monde! Bien! La tâche suivante consistera à planter du dictame à la table de rempotage. Vous pouvez commencer. Je dois m'entretenir avec les... Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Oui, professeur? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. À vrai dire, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Olard. Vous les avez trouvées au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés? Avec des roses ou des caprices de nifleurs? Les propriétés régénérantes du dictame en font un ingrédient indispensable de la potion Wiganweld, comme vous le savez tous grâce au cours du professeur Sharp. Travail! Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiganweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu?
je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Ils se trouvent dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues. Salut. Tu allais après Olar l'autre jour, non? Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine. Il suffit de monter cet escalier. À toi l'honneur. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Oh, eh bien, merci. J'ai bien failli le remettre à sa place, moi aussi. Enfin, j'aurais pu, si Hecate ne m'avait pas arrêté juste avant. N'a-t-elle pas empêché ce crâne de dragon de t'écraser? Nous y sommes, le royaume du chou-mordeur de Chi. Tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Tout ce qu'il trouve avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégnomage, mais ils ont détruit ses jonquilles klaxonnantes. C'est vicieux, ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux, au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'il pourrait avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls après Olar. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Prends ton temps. On se voit en classe. Voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. Ce sera tout pour aujourd'hui. Désolée pour vous, Monsieur Clopton. J'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon, je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves.
J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Ça m'a coûté mes deux tympans. Pour entretenir une chose, il faut la comprendre. Ça vaut pour les plantes comme pour les amitiés. La gentillesse et la douceur sont aussi cruciales dans la serre que dans la grande salle.